Donc moi, je suis née en Bretagne dans une famille de cyclistes. Mon papa était cycliste, mon oncle était cycliste. Donc c'est vrai que j'ai été baignée dedans depuis la naissance. Je pense que la première balade que j'ai dû faire en poussette, c'était sur les bords d'un circuit de vélo. Donc difficile de faire autre chose comme sport quand on est dans une telle famille. Et j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et ensuite, j'ai jamais arrêté. J'ai vraiment toujours pratiqué le cyclisme. J'ai fait plusieurs disciplines. Mais je suis toujours restée dans ce sport et j'ai gravi les échelons un à un et en grandissant, j'ai intégré l'équipe de France à l'âge de 17 ans et ensuite je l'ai jamais quitté non plus et ouais, je me suis passionnée pour ce sport et puis je pense que c'est ça qui me fait encore courir aujourd'hui, c'est vraiment la passion et j'ai eu la chance voilà d'arriver dans une génération qui a connu les prémices d'un cyclisme professionnel et qui aujourd'hui me permet vraiment de vivre de mon sport. Et ça, c'est une grande chance. Je pense que mon premier titre, ça devait être un titre de championne de Bretagne. Donc vraiment, quand j'ai commencé. Et je pense que ça a été un petit peu le déclic pour moi Ouais, pour continuer, pour persévérer. Et puis j'avais envie de plus, en fait, ça m'a donné envie de plus. Et ensuite, mon premier titre de championne de France, je l'ai eu quelques années plus tard quand j'ai été junior. Et ça a été pour moi vraiment, ouais, la motivation de continuer et la motivation surtout d'aller en chercher d'autres et d'aller chercher plus haut aussi des titres au niveau européen et mondiaux, ce qui n'est pas encore arrivé. En fait, ça faisait quelques années maintenant que j'obtenais le titre en contre-la-montre. Donc, j'ai eu mon premier titre en contre-la-montre élite en 2015, puis 15, 16, 17, 18. Et ensuite, j'ai eu 2 années où j'ai pas réussi à l'avoir, où j'étais deuxième à chaque fois. Et en 2021, donc l'an passé, j'ai réussi à récupérer ce titre sur le contre-la-montre. À le garder cette année. Et puis, c'est surtout qu'en 2020, je suis devenue championne de France sur route, élite. Et ça, c'était vraiment mon plus grand rêve de pouvoir porter ce maillot tricolore toute l'année sur toutes les courses. C'était vraiment quelque chose de spécial. Et l'an passé, je suis passée tout près de le garder et à quelques millimètres. Et j'avais vraiment à cœur cette année de le récupérer. Encore plus cette année parce que je vais pouvoir prendre le départ du premier Tour de France féminin avec ce maillot tricolore. Et ça, c'était vraiment mon plus grand rêve. Et ça s'est exaucé il y a une semaine maintenant. Donc, ouais, ça a été un grand moment de ma carrière. Et ça va être un grand moment de ma carrière de pouvoir prendre le départ de ce Tour de France avec le maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules. C'est vrai que. Toutes les courses hein, sont un peu, sont pour moi maintenant, oui, une sorte de routine. C'est vrai que la pression sur les courses, elle s'amenuise au fil des années que l'on prend de l'expérience. Mais si j'avais une chose que je fais vraiment à chaque fois avant le départ, c'est que j'appelle mon mari, tout simplement, pour un dernier coup de boost, une dernière parole d'encouragement et pour lui dire que ça y est, je monte sur mon vélo, que je serai indisponible pour les 4 prochaines heures. Je pense que je suis quelqu'un de persévérante, avec beaucoup d'abnégation. Je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question quand les choses se passent pas comme je veux et qui va de l'avant. Et je pense que ça, c'est des qualités qui sont vraiment très importantes pour un sportif ou une sportive de haut niveau. C'est de toujours aller de l'avant, de jamais rien lâcher. Et je pense que ce sont mes qualités, ouais, en tant que sportive. Je pense que je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec les émotions, c'est-à-dire que je peux être très facilement touchée par une situation qui me convient pas ou des paroles qui me conviennent pas ou qui me semblent dures. Et donc du coup, j'aurais tendance à être touchée facilement et même si j'ai un caractère assez fort, je pense que je joue beaucoup avec les émotions, peut-être parce que je suis une femme aussi, je sais pas. Et donc du coup, j'aurais tendance à prendre un peu trop les choses à cœur. Ce qui peut parfois être un petit peu embêtant quand faut aller de l'avant et quand faut se sortir de situations difficiles. Donc ça peut être aussi une qualité. Donc ça dépend un petit peu du moment dans lequel on se trouve et de la situation dans laquelle on se trouve.
Alors moi, j'ai beaucoup de vélos à la maison. Heureusement, j'ai un mari cycliste, donc ça ne le dérange pas trop que le garage abrite les vélos plus que les voitures. J'ai évidemment un vélo de route, puisque c'est ma discipline de prédilection, un vélo de route et un vélo de contre-la-montre. J'ai également un VTT parce que j'aime beaucoup rouler en VTT, surtout l'hiver, et puis un vélo de cyclocross parce que je fais aussi quelques cyclocross en Bretagne l'hiver. Et je pense, ah si, j'ai aussi un fixie dont je ne me sers que très rarement, mais je viens aussi du monde de la piste, et c'est vrai que le pignon fixe, j'en ai fait beaucoup étant jeune, donc j'ai pas de vélo de piste en particulier, mais j'ai un fixie, donc si j'ai envie de faire un peu de pignon fixe, c'est possible. Moi, mon premier vélo, c'était un Trek, donc l'histoire est belle, puisque ça fait 4 ans que je fais partie de la Trek Segafredo. Je pense qu'on a aujourd'hui les vélos les plus performants du marché. C'est vraiment des vélos qui ont été qui sont nés d'une grosse recherche et performance, et ça, c'est quelque chose dont j'aime participer aussi, à donner mon feedback sur le matériel que j'utilise. Donc je suis vraiment chanceuse de rouler sur des vélos extrêmement performants, et c'est vrai que j'ai cette marque sur tous les vélos dont je vous ai cité tout à l'heure. C'est la marque que j'utilise. Ça va vraiment dépendre en fait du moment de l'année. C'est vrai que quand on est en compétition, on privilégie beaucoup la récupération. Donc on n'a pas des grosses semaines d'entraînement. Mais là, par exemple, je suis en stage en montagne pour préparer le tour. Donc c'est à peu près 20 heures sur 5 jours d'entraînement à peu près. Bah, c'est vrai que le vélo a un rapport au poids qui est extrêmement important, hein. Le rapport poids-puissance est extrêmement important. Donc, je fais attention. C'est évident que j'évite tout ce qui est alimentation grasse, sucrée, etc. Après, c'est vraiment aussi, je dirais, une habitude que j'ai depuis toujours. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un sacrifice. C'est juste l'habitude, je dirais. Et oui, quand on est en période de préparation, notamment là pour le tour, on fait encore plus attention parce qu'on a envie d'arriver affûter un maximum sur cette compétition pour pas souffrir du rapport poids-puissance qui pourrait vous embêter, surtout dans les longues bosses. Je dirais plutôt que un nom spécifique, j'aime plutôt un profil de coureur, et parce que je le suis moi-même, je pense que j'aime beaucoup les coureurs de classique. Par exemple, les coureurs de Paris-Roubaix, les coureurs des Flandres, c'est vraiment ce type de coureur qui me plaît, parce que c'est le type de course qui me plaît particulièrement. Je pense que les Jeux de Londres, ça a été vraiment une découverte pour moi, parce que j'étais encore très jeune, et c'est vrai que au début de l'année 2012, je m'étais pas mis en tête de faire les Jeux, donc ça a été quelque chose d'assez particulier, plutôt une surprise. Et puis 2016, ça a vraiment été pour moi une grosse préparation mentalement, beaucoup de pression parce que j'avais envie de bien faire. Je savais que j'avais les capacités d'aller chercher un beau résultat, et je me suis peut-être mis un petit peu trop de pression, et ça a été pour moi une très mauvaise expérience où j'ai vraiment beaucoup souffert sur ces jeux, physiquement et mentalement. Et c'est vrai que derrière, ça a été difficile de rebondir. Donc voilà, ouais, deux expériences complètement différentes. Et j'espère que la troisième expérience que j'espère vivre en 2024 sera vraiment la plus belle, et m'apportera une satisfaction, une grande satisfaction. Le Tour de France n'existe plus depuis 89, donc l'année de ma naissance. Donc là, il revient cette année. C'est vraiment un grand pas en avant pour le cyclisme féminin. Avant ça, on regardait le Tour de France à la télévision, comme tout le monde. Et là, on va pouvoir enfin être sur le vélo et sur le devant de la scène. Donc c'est vraiment pour nous, ouais, une super opportunité pour le cyclisme féminin, pour continuer de grandir. Et puis pour nous cyclistes, c'est aussi un petit peu la concrétisation d'une volonté de notre part de participer à ce tour comme les garçons. Je pense que le cyclisme féminin, il est vraiment aux prémices de ce qui va se passer dans les années qui arrivent. Ces 5 dernières années, on a vu vraiment une progression énorme dans le professionnalisme, dans les moyens accordés au cyclisme féminin. Il y a beaucoup plus de filles qui peuvent aujourd'hui vivre de leur sport, et ce qui a fait que le niveau a aussi énormément augmenté et a énormément grandi.
Donc, on est vraiment dans un changement de mentalité aussi, hein, pour le sport féminin en règle générale, pas que le vélo d'ailleurs, où ça y est, le grand public arrive à visualiser un peu plus, à regarder un peu plus de sport féminin à la télévision parce qu'on est un petit peu plus montré. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux qui commence et qui n'est pas prêt de se terminer. Et même si on a encore pas mal de retard sur ce qui se fait chez les hommes, on grappille peu à peu ce retard et en tout cas on est vraiment dans un cercle vertueux qui va continuer de grandir et qui va faire que dans les années qui arrivent on aura de plus en plus de jeunes filles qui pourront en faire leur métier et qui pourront aller glaner des titres, notamment pour la France, parce que ben, je suis concernée par ce cyclisme français, évidemment, et c'est vraiment ce que j'ai envie de voir, c'est un cyclisme français qui puisse se développer et qui puisse faire grandir de grandes championnes dans le futur. Le tour, pour moi, cette année, ça va être d'amener mes leaders au sein de la Trek Segafredo, de les amener le plus loin possible pour aller chercher des victoires d'étape. C'est vrai qu'après, personnellement, c'est un petit peu difficile d'avoir des objectifs, mais c'est sûr que si l'opportunité se présente à moi, je n'hésiterai pas à la saisir également. Donc voilà, on y va un petit peu dans l'idée de ramener des victoires, ça c'est une certitude. Et moi, personnellement, pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape, ce serait vraiment le summum, surtout avec ce maillot sur le dos. Ouais. Oui, il y a une étape du côté de la Champagne-Ardenne qui empruntera des chemins blancs, un petit peu à l'image de ce qu'on fait sur les Strade Bianche. Et c'est vraiment le profil de course que j'aime beaucoup parce que c'est un profil de course où tout peut se passer, un petit peu comme sur les pavés. On peut être victime d'une chute, d'une crevaison et ça change toute la course. Donc, c'est vraiment un profil de course qui me plaît beaucoup et sur lequel j'aimerais vraiment m'exprimer. Les deux dernières étapes qui sont pour moi les plus difficiles de ce tour, hein, puisqu'on aura une arrivée en haut de la super planche des Belles-Filles, je pense que là, ce sera vraiment les deux étapes où le classement général va se jouer. Donc, ça risque d'être un petit peu plus, un petit peu plus chaud, on va dire, et où là, vraiment, les leaders vont se découvrir. On redoute toutes les équipes. Aujourd'hui, le cyclisme féminin est de plus en plus homogène et les équipes vont se battre toutes les unes contre les autres pour aller chercher ce maillot jaune. Donc, évidemment, il y a des filles qui se sont démarquées ces dernières années, dont la néerlandaise, Annemiek van Vleuten, hein, qui a déjà en plus exprimé le fait qu'elle souhaitait gagner les trois grands tours. Et en ce moment, a lieu le Giro. Elle est déjà en maillot rose sur le Giro. Donc, elle s'est vraiment préparée pour ces trois grands tours, donc je pense qu'elle sera la fille à battre. Mais à côté de ça, on a des grosses individualités, puis aussi des grosses équipes qui auront envie de déjouer ses plans, donc ça risque d'être très intéressant. Moi, je me souviens surtout d'un Thomas Vauclair en jaune pendant quelques semaines sur le Tour de France, pendant plus d'une semaine, je crois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait vibrer parce que ça faisait vibrer les Français de le voir en maillot jaune sur ce tour et jour après jour garder ce maillot après une rude bataille toute la journée. Donc, je pense que ça a été aussi un exemple à suivre pour moi de pouvoir rêver de ce maillot jaune et de se battre pour ce maillot jour après jour alors qu'à la base, on n'est pas dans les favoris du tour. Ouais, évidemment, je suis une grande fan du Tour depuis des années et je suis encore plus impliquée aujourd'hui parce que mon mari est dans une équipe en tant que mécanicien et il fait le Tour actuellement. Donc, c'est vraiment une des équipes que je suis. Et puis, évidemment, la Trek Segafredo, puisqu'on a aussi nos homologues masculins qui sont sur le Tour. Donc, c'est vraiment les deux équipes que je suis et le Tour, oui, ça fait partie de ma récupération après chaque journée d'entraînement, je me pose devant le tour et ça fait partie de ce que j'aime faire. Juste dire que ce que vous faites, c'est vraiment, ça fait aussi partie de ce que je défends, et un vélo un petit peu plus écolo et pouvoir faire du seconde main, c'est quelque chose que je trouve super et que je soutiens énormément. Donc bravo à vous pour ce que vous faites
Et j'hésiterai pas à motiver les gens à faire de même et à vous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment cool.